Il était une fois une chevalière errante. Je suis une chevalière errante. Une chevalière errante qui n'était d'ailleurs pas vraiment chevalière. Mais si j'en suis une? Autrement que dans son cœur, puisque voyez-vous, elle n'avait ni armure, ni cheval. Oh, mais ça c'est vrai. Je n'ai ni armure, ni pas de cheval. Ni armure, ni cheval, ni même un âne, c'est vrai. Elle n'avait pas non plus... Non, mais arrête un peu de lire, parce que ça a l'air de quoi encore une armure? Il y a plein d'histoires de chevaliers dans mes livres. Ah! J'ai une idée! Attends, juste une minute, je reviens tout de suite. D'accord. Attends. J'ai un truc, je pense que ça peut marcher. Ah, peut-être... Ça, non, ça va pas. Ah, mais ça, c'est... Ah oui, ça, c'est bon. Voilà. Voilà. Et maintenant... Tada! Épée, bouclier et casque. Voilà, comme je dis, je suis une chevalière errante. Un cheval, j'ai pas trouvé, mais c'est pas grave. On peut faire semblant. Et maintenant, pour être une vraie chevalière errante, il va falloir errer. Allez! Viens, mon fidèle destrier, on s'en va. Errer! Allez, hop! Elle n'avait pas non plus de roi. Oh, mais quoi? Ni de reine, ni de royaume. Non, mais... Ni bien sûr de beau et gentil homme à sauver. Bon. Ni de sang chapanceau, ni de sang chaud pensat. Bonjour qui? Ni de moulin avant, ni de moulin arrière contre lequel se battre. Non, mais... Encore moins de dragons aux mille flammes à affronter pour libérer des villageois. Pas la moindre petite énigme à résoudre pour gagner amour, gloire et beauté. Non, mais t'as fini, là? Parce que si j'ai besoin de tout ça pour être chevalière errante, je partirai jamais, hein? Et les moulins, c'est bon contre le changement climatique. Je vais quand même pas me battre contre eux. Et les dragons, tout le monde le sait, ça n'existe pas. Alors, c'est bon. On y va. C'est parti. Salut! Allez, hop! Non, elle n'avait rien de tout cela, voyez-vous. C'était juste une pauvre, pauvre, pauvre chevalière errante. Avec, c'est vrai, foi et loi, avec aussi grand cœur et générosité, ardeur et probité, ma foi. Et puis, un baluchon de livres qu'elle traînait partout, comme un doudou trop usé. Oh. Oh là 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 là. C'est bien fatigant d'être chevalière errante. Je suis crevé. Et là, tout ce voyage que j'ai fait, j'ai rencontré personne. Ni de poncho sans panse, ni de garçon à sauver. Oh. Ce serait bien de trouver du monde. Une reine ou un roi. Comme dans les contes que j'aime tellement lire. Comme ça, je pourrais être princesse. On serait une jolie petite famille dans un grand beau château. Ou des amis. J'aimerais bien trouver des amis. Comme ça, je ne serais plus toute seule. Oh. Oh. Oh là. Son baluchon de livres contenait tous les savoirs du monde, toutes les richesses de l'univers, puisque, voyez-vous, il pouvait lui faire vivre mille existences, lui faire découvrir mille choses que sa condition de chevalière errante l'empêcherait toujours de connaître. Ses livres, savez-vous, ses livres étaient toute sa fortune, toutes ses ressources, toute sa vie. J'ai bien dormi et j'ai rêvé de tout ce que j'ai lu dans mes livres hier soir.
C'était moi, l'héroïne de toutes les aventures. J'aimerais bien ça être l'héroïne d'une vraie aventure. Pourvu que ça finisse bien et que tout le monde soit heureux pour toujours après. Mais bonjour. Bonjour, je ne sais pas. Ça dépend. Peut-être. Personnellement, je ne suis pas sûre que tous les jours sont aussi bons que ça. Ah bon? Ben, moi je suis une chevalière errante, et toi? Oh, errant, je le suis bien, mais pas chevalier. Je suis un escargot. Ah mais, enchanté l'escargot. Tu habites dans le coin ici quelque part? J'habite tous les coins. Ici, là, là-bas, ailleurs, toujours tout seul, toujours chez moi. Ah mais ça tombe bien parce que moi je cherche une famille et vu que toi tu es tout seul aussi, toi, on pourrait faire un ménage à deux. Oh. Personnellement, je trouve que c'est déjà assez serré comme ça chez moi. Et la maison que tu portes sur ta tête ne fera pas l'affaire non plus. Elle est encore plus petite que la mienne. Beaucoup trop petite pour nous deux. Non, mais c'est pas grave parce que je cherche aussi des amis et pour jouer, on peut aller dehors. Oh, personnellement, je n'aime pas rester dehors trop longtemps. Ça peut être dangereux, avec tout le monde qui passe par ici, comme toi par exemple. Alors bonne route, je m'en vais traîner par là-bas. Non, mais attends! Ouf. Il n'est pas très beaucoup sympa celui-là. Allez, viens mon petit cheval, on n'a plus rien à chercher ici. Allez hop! Cheval? Mais quel cheval? Mais c'est des fleurs. Ah, mais c'est des fleurs. C'est tout ce qu'elle trouvait à dire. Franchement. Oh, désolée, je ne vous avais pas vue. En plus, elle ne nous avait pas vus. Mais c'est la meilleure. Mais franchement. Mais je vous vois bien maintenant. Vous êtes super belle. Bah, évidemment que nous sommes super belles. Tout le monde le sait. Tout le monde nous admire. Et c'est bien normal. Moi, je cherche à me faire des amis parce que je suis toute seule et je ne connais personne. Ça vous dit si on devient amis? Oh, mais d'où elle sort celle-là? Pas le moindre petit cercle d'amis. Pas le plus petit réseau. Pas la moindre connexion. Et ça voudrait être amie avec les plus belles fleurs du monde. Ben, et pourquoi pas? Mais parce que t'es moche, voilà pourquoi. T'es laide comme un crapaud malade. Et en plus, t'es une loser et t'as une tête de casserole. Vous êtes peut-être belle, mais vous êtes pas très beaucoup jolie, hein? Ni pas très beaucoup polie non plus. Oh, vous l'avez entendu? On n'est pas très polie. Oh, pauvre petite chose. Mais si tu n'es pas contente, mais va-t'en ailleurs. Est-ce qu'on t'a demandé de venir ici, peut-être? On était très bien sans toi. On sera encore mieux quand tu seras partie. Mais qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai fait? Mais qu'est-ce que j'ai dit? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Vous l'entendez encore? Moi, je ne l'entends plus. Elle a dû partir, enfin. Oh, viens, mon petit cheval. On repart encore. Les gens d'ici ne sont pas très beaucoup sympas, hein? Allez, hop, c'est parti. Cheval? Mais quel cheval? Vous
vous en doutez, la chevalière errante n'avait ni patrie, ni pays. Même dans le pays où elle était née, on l'appelait l'étrangère, c'est tout dire. Parce qu'elle était différente, de partout, elle était chassée. Ho ho! Ho! Qu'est-ce que tu fais là? Ben, rien, je viens tout juste d'arriver. Oh, tu viens tout juste d'arriver? Oui. C'est parfait, c'est le moment de repartir. Repartir, mais pourquoi? Mais parce que tu n'es pas d'ici. Tu es une étrangère. Oui, alors? On n'aime pas les étrangers. Ça fait peur. Toi, tu fais peur. Moi, je te fais peur? Mais je suis juste une chevalière errante et une toute petite en plus. Toi, tu es au moins 10 fois plus grand que moi. Ben justement, si tu te prends dans mes pattes, je ne te verrai pas et tu me feras tomber. En plus, t'as une chose qui pique et une tête de fer. Mais ça c'est mon casque, c'est pour éviter que j'ai un trou dans ma tête quand je tombe. Et mon épée, ben, elle tombe bois. Ça fait pas vraiment de mal. Si justement, le bois, ça peut faire très mal. Je me méfie toujours du monde qui porte du bois. Mais toi, t'en portes aussi. T'en portes des bois. Oui, mais moi, c'est différent. Moi, c'est sur ma tête et c'est pas pareil. Je suis un wapiti, c'est normal. Tandis que toi, t'as l'air d'un humain. Et les humains, c'est les animaux les plus dangereux de la planète. Encore plus dangereux que les colibris. Ha, les colibris? Ha, mais c'est des toutes petits oiseaux, là. Ça fait mal à personne. Détrompe-toi. Les colibris, ça peut te bourdonner dans les oreilles, ça te donne le tournis et tu ne sais plus du tout où tu te trouves. Mais les humains, c'est encore pire parce que ça t'enfonce des pics, ça te lance des balles dans le corps, ça t'enlève la peau, ça te découpe en morceaux et ça te mange. Mais moi, j'ai pas envie de couper personne en morceaux, là. Peut-être, mais quand même. Mais je suis juste une petite fille, toute petite enfant. Les enfants, ça grandit. Oui, mais tout ce que je veux, moi, c'est de trouver des amis et un endroit pour vivre. Eh bien, va les chercher ailleurs. Je ne t'aime pas du tout. Et tu me fais peur. D'ailleurs, si tu t'en vas pas tout de suite d'ici, j'appelle tous les animaux de la forêt pour qu'ils te lâchent, qu'ils te chassent loin d'ici. Ben, doucement, le grand là. Pas besoin de s'énerver, hein, je t'ai compris. Je te laisse à tes colibris, alors. Viens, mon fidèle cheval. On s'en va. Allez, hop! C'est parti! Cheval? Mais quel cheval? Parce qu'elle était différente, de partout, voyez-vous, de partout, elle finissait par être chassée, battue, insultée, persécutée. Et de partout, elle s'enfuyait. Sans fin, elle arpentait les routes de la planète, à la recherche d'un toit, à la recherche d'un ami courtois, à la recherche du vivre et de couvert, dans un lieu de cocagne et de lumière. Par malheur, il n'arrivait jamais qu'elle pût rester bien longtemps au même endroit. Partout, on se méfiait des étrangers. Ce point commun, c'est l'amour de la patrie. Pauvres idiots. Les puissants commençaient par se réjouir d'avoir une coupable toute désignée sous la main pour détourner la colère des pauvres gens. C'était pratique, voyez-vous, la sorcière. Sorcière! C'était toujours elle. La jeteuse de sorts. Jeteuse de sorts! C'était elle. La suceuse de sang. Vampire! Encore elle. La cannibale, mais bien sûr. Cannibale! C'était elle. L'empoisonneuse, vous l'avez deviné. Empoisonneuse! C'était encore elle. Encore et toujours elle. Arrow! Arrow sur la chevalière qui n'a pas de pays, qui n'a pas de patrie. Malheur à toi, l'errante. Malheur à toi. Malheur à toi, la nomade. Si l'on t'attrape, si l'on t'attrape. Oh, c'est
shalom bimrumah. Oh, yase shalom aleinu, ve'al kol Yisrael. Bimru, amen, ve'ose shalom bimrumah. Oh, yase shalom aleinu, ve'al kol Yisrael. Alors elle reprenait son baluchon de livres et repartait à la nuit tombée, à la dérobée, pour ne pas se faire remarquer. La chevalière de nouveau errante, parcourant le vaste monde à la recherche d'un havre de paix où s'arrêter. Oh, mais qu'est-ce que je vais faire? Où est-ce que je peux encore aller? Nulle part je suis la bienvenue. Mon seul ami, c'est mon cheval imaginaire. Il me voit même pas. Il me parle même pas. Oh oui, il y a mes livres aussi. Au moins là-dedans, je trouve encore des endroits d'où on ne me chasse pas. Mais ce jour-là, à ce moment-là, affamé, assoiffée, exténuée, désespérée, elle se souvint de l'histoire d'une terrible épreuve infligée à un homme pour toute l'éternité. Cet homme, aussi absurde qu'il y paraisse, aussi inutile qu'il y sembla, aussi vide de sens que son destin fut, cet homme, sans relâche, s'appliquait à remplir inlassablement la même tâche, à vivre sa vie aussi droite et honnête que possible, aussi juste et sincère qu'imaginable. Hé, hey, bonjour ma petite fille. Je ne suis pas une petite fille, je suis une chevalière errante. Oh, excuse-moi, mes yeux ne sont plus ce qu'ils étaient. Mais oui, je le vois bien maintenant. Tu es une vraie chevalière errante, avec une vraie armure. Oui. Et t'inquiète pas, je resterai pas longtemps. Mais pourquoi donc? Au contraire, les chevalières errantes sont toujours les bienvenues ici. Tu ne veux pas que je parte? Mais non, pourquoi donc? Bah parce que à chaque fois que je m'arrête quelque part, les gens veulent que je parte. Tout le monde dit que je porte malheur, ou que je suis trop dangereuse, ou trop moche, ou trop gna gna gna, trop gna 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 gna. Eh bien moi, je ne te trouve ni moche ni dangereuse. En fait, je suis enchantée de te rencontrer. Ah bon? Ben, oui. Merci. Mais enchanté, moi aussi. Mais qu'est-ce que tu fais ici avec tous ces petits arbres, là? Eh bien, je les plante. Aimerais-tu essayer? Oh oui, s'il te plaît! Eh bien, viens ici, viens faire un petit trou dans le sol. Ici? Oui, devant toi. Comme ça? Voilà, très bien. Maintenant, prends ce petit arbre et plante-le, mets-le dans le trou. Avec les racines en bas? Oh ben oui, sinon il va pousser à l'envers. Ah oui! Voilà, allez hop! Pousse maintenant le petit arbre! Voilà, très bien, parfait. Si tu reviens dans 1000 ans, il sera aussi haut qu'un gratte-ciel. Un gratte-ciel? Oui, oh. À moins qu'on l'ait coupé ou arraché. Mais dis-moi, que fais-tu dans la montagne? Ben, dans mes livres, ça parle d'un endroit où tout le monde peut vivre ensemble en paix et en harmonie. J'aimerais bien trouver une place comme ça, si ça existe pour de vrai. C'est ça ce que je veux faire comme chevalière errante. Eh bien, je trouve que c'est une très noble quête. Si on ne cherche pas, on ne peut pas trouver. Et d'ailleurs, il me semble que tu es sur la bonne route. Oui, c'est ça. J'ai entendu dire que derrière cette montagne, là-bas, il y a une ville où tout le monde est le bienvenu. Elle s'appelle Monde Ouvert, je crois. Cette montagne-là? Oui. Et est-ce que c'est difficile d'y aller? Non, pas trop. Surtout pas pour une chevalière errante. Mais par contre, c'est hyper dangereux. Dangereux? Mais pourquoi? Mais à cause du dragon. Il mange tous les arbres. Et quand il n'en trouve pas assez, il se fâche. Et quand il se fâche, il brûle tout sur son passage avec son haleine de feu, de soufre et de fumée. Mais un dragon, mais ça n'existe pas. Ben si, peut-être, ça existe, mais seulement dans les histoires, non? Eh bien, je peux t'assurer que celui-ci est aussi réel que toi et moi. Regarde tous les petits arbres que je viens de planter.
C'était pour remplacer ceux que j'avais plantés la semaine dernière. Ils les avaient tous avalés. Mais ça sert à quoi alors de les replanter s'ils les mangent aussi vite? Oh, tu sais, ma petite fille, dans la vie, il faut parfois faire des choses qui semblent n'avoir pas de sens, mais qui sont justes. Comme le disait un vieux sage, il y a très longtemps, dans un passé très lointain, si ce n'est pas moi qui le fais, qui le fera? Et si pas maintenant, quand? Si l'on ne s'occupe pas de la forêt, elle sera entièrement détruite, et pour toujours. Oh, mais moi, je pourrais t'aider à la planter, parce que ça ira plus vite à deux, non? C'est très gentil de ta part, mais moi, je suis un vieil homme. Je ne peux faire que ça, tandis que toi, tu es jeune. Tu as ta quête à accomplir. Trouver la ville où tout le monde vit en paix et en harmonie. Mais pour cela, tu devras traverser la montagne. Et si tu rencontres le dragon, ça ne va pas être facile. Il ne te laissera sûrement pas passer. Eh bien, qu'il essaie un peu de m'arrêter. Je suis une chevalière errante, non? Et les chevalières, ça combat les dragons. D'ailleurs, il sort d'où ce dragon-là? Ben, écoute, je ne sais pas exactement, mais j'ai ma petite idée. Attends, je vais te montrer quelque chose que j'ai trouvé l'autre jour. Regarde. Oh, mais c'est un morceau de papier. Oui, il était collé à sa patte, je crois. Il y a quelque chose d'écrit là-dessus. Il était une fois. Mais c'est le début d'un conte, ça? C'est ça. Je crois que le dragon est sorti d'une histoire. Il s'est perdu. Et ici, il n'y a pas de nourriture de dragon. Ah, mais c'est pour ça qu'il est si fâché que ça. Il a faim. Un dragon, ça a besoin de toute une forêt magique pour vivre. Et ici, il n'y a même plus de grands arbres. Il les a tous avalés. Et un arbre, ça prend plus de 1000 ans avant que ça devienne grand. Exactement. Si on pouvait le renvoyer dans son histoire, le problème serait résolu et la forêt serait sauvée. Mais le problème, je ne sais absolument pas comment y arriver. Ha! T'inquiète, je m'en occupe. Mais comment tu vas faire? Bon, je ne sais pas encore, mais je trouverai une solution. Maintenant, il faut juste que je trouve le dragon. Eh bien, moi, je te trouve très courageuse. Bon, si moi, je ne le fais pas, qui le fera? Et si pas maintenant, quand? tu apprends vite. Alors, bonne chance, ma petite chevalière. Et surtout, fais très attention. Ce dragon, il est très dangereux et son haleine est épouvantable. Bien, fais attention à toi aussi, hein. Et merci de ne pas m'avoir chassé et aussi pour tous tes bons conseils. OK. Au revoir, ma petite chevalière. Au revoir, gentil monsieur. Prends soin de toi. Planteur d'arbres. Alors, quoi faire avec ce dragon? Ah, c'est... Pour ses dents et ses talons, c'est bon, j'ai mon armure. J'en aurais besoin, ça c'est clair, mais le monsieur a dit aussi que son haleine est aussi brûlante qu'on peut frire des frites avec. Et j'aurais besoin d'un frigo ou quelque chose pour me cacher dedans. Un frigo, c'est un peu encombrant, hein, donc... Ben, je vais juste aller voir où il se cache, ce fameux dragon. Et vous, les enfants, si vous le voyez arriver quelque part, faut me le dire, hein, parce que je veux pas me faire surprendre par cette bête. Qu'est-ce qui est arrivé? Oh non! Mais regarde, le petit arbre que je viens de planter! Arraché! Et un autre aussi! Mais qu'est-ce que vous dites, les enfants? Le dragon? Il y a un dragon qui revient? Oh non! Le voilà! Il faut que je me cache! Tout de suite! Faut pas qu'il me voie! Oh là 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 là! Oh là là, il est bien plus féroce et plus grand que j'avais imaginé. Si j'avais des guimauves, je pourrais me faire griller tout un sac en une seconde. Mais qu'est-ce que je vais faire? Mon épée est en bois, ça brûle. S'il me voit, ce sera moi la guimauve grillée. Oh, faudra le renvoyer dans une histoire très vite pour s'en débarrasser. Comme ça, lui aussi, il va être plus content. Je vais l'essayer tout de suite. J'ai plein d'histoires de forêt magique dans mes lits. Non, mais... Ben là, ça va pas marcher. Ils sont bien trop petits, ils pourraient jamais rentrer là-dedans.
Ça prend un livre bien plus grand que ça. Hé, hey, excuse-moi, Madame l'auteur. Oui. Dans ton gros livre, là, y aurais-tu une histoire de forêt magique, peut-être? Ah, forêt magique, attends. Oui. Oui, absolument. Ah, mais c'est bien. On pourrait-tu l'emprunter, ton gros livre? Si tu veux, mais il faudra pas me perdre ma place, parce que sinon, il faudra recommencer l'histoire depuis le début. Ah non, mais pas de problème. Tu vas pas me corner ma page, j'espère. Non. Il faut juste trouver la place où il y a un dragon qui arrive dans l'histoire. Un dragon, c'est facile. Oui. Bon, alors tu le veux sur... Ici, oui. Devant toi? Juste là, oui. Comme ça, oui. Et on va l'ouvrir... À la page oui. De la forêt magique. Voilà. Et là, on va le garder comme ça. Et tu vas la refermer quand on crie « Paf !» Oui, alors, paf! Comme ça, oui. Et vous, les enfants, les petits et les grands, on va crier paf, très très fort, une fois que le dragon est entré dans l'histoire. Je vous ferai signe, je dirai 1, 2, 3, et on dit tous ensemble, paf! On l'essaie-tu? 1, 2, 3, paf! Non, mais plus fort que ça, hein? Les grands, faites un petit effort, là, hein? Allez, 1, 2, 3, paf! Oui, très très bien. Alors, tout est prêt. Il manque juste le dragon. On l'appelle-tu ensemble? Hé oh, dragon! Hé oh, dragon! Hé oh, dragon! Oh! Le voilà! Oh là là! Oh là là! Non! Arrête! Faut pas me brûler, hein! Faut pas me brûler! Parce qu'on a quelque chose de très important à te dire. Ici, dans ce grand livre-là, il y a toute une forêt magique, plein de grands arbres qui sont délicieux à croquer, qui repoussent tout de suite. Il faut juste que tu mettes ton pied sur la page et tu n'auras plus jamais faim pour toujours. Allez, viens, le dragon. Encore un petit bout. Oui, avance. Mets ton pied sur la page. Et voilà. Et 1, 2, 3, paf! Voilà, c'est fait. Tu peux reprendre ton livre. Voilà. Tu penses que ça a marché? Oui, je crois. Attends, je vais vérifier. Est-ce qu'il est entré dans l'histoire? Attends. Ah oui. Il va plus sortir? Non, il a l'air très content. Ha ha! Ah, on a vaincu le dragon. Yeah! Et maintenant... Il n'y a plus rien qui nous arrête. On peut s'en aller pour monde ouvert. Allez hop, mon petit cheval, on s'en va. Alors, animée d'un nouvel espoir, elle reprit son baluchon et sa roue. Elle marcha longtemps, très longtemps, trop longtemps. Et puis au bout du chemin, au bout du bout de la route sans fin, la chevalière errante, épuisée et fourbue, arriva dans une petite crique, au pied des rocheuses, au bord du Pacifique, à la lisière de la forêt, aux confins du monde, dans un petit village sur la plage, bordé de grands cèdres, où les habitants étaient tous différents. Allô? Oh, allô? Allô, toi? Qui es-tu? D'où tu viens? Ben, j'y viens de très loin, moi. Non, mais je veux dire là, maintenant, tout de suite, tu sors d'où? J'y viens de la forêt, là. J'ai traversé la montagne. Ah bon? Mais pourquoi tu portes une casserole sur la tête, alors? Ah, mais c'est pas une casserole, c'est mon casque. C'est parce que je suis chevalière errante. Ah, oh, alors tu tues des dragons, tu sauves des princesses. Ben non, je tue pas vraiment personne, puis c'est un dragon, en fait, que je viens de sauver. Ouh. Et... Mais je cherche des amis, c'est pour ça que je suis ici. Eh bien, je veux bien être ton ami. Oh. Moi j'adore les amis, et je m'appelle Poncho Pinchou. Mais vraiment, Poncho Pinchou, tu veux être mon ami? Mais oui. Oh, mais c'est génial. Oh, merci. Eh bien, peut-être que tu peux m'aider, parce que je cherche la ville de Monde Ouvert. Monde Ouvert, mais c'est ici, tu l'as trouvé. C'est ici, la place où tout le monde vit ensemble en paix et en harmonie. Oui, c'est ça l'idée, mais on ne trouve pas toujours, mais on essaye, et c'est ça qui est important. Et est-ce que tu penses que les gens vont me laisser rester ici? Mais bien sûr, tout le monde aime ça, faire des amis. Oh, mais c'est super, je croyais que je ne la trouverais jamais, la ville de Monde Ouvert, et me voilà maintenant, En fait, ça veut dire quoi? Pour ça s'appelle Monde Ouvert. Ben, à ton avis? Bon, je sais pas.
Ah, monde ouvert. J'ai compris. Et oui, c'est assez, parce qu'il y a beaucoup de monde ouvert ici. Oui, oui. Et tu sais, tu arrives au bon moment, on fait un festival. Un festival? Oui, avec plein de choses à faire, des bonnes choses à manger, de la danse, du théâtre, de la musique. Et est-ce que tu voudrais nous aider? Oh oui, je veux bien. Alors moi, je vais me déguiser en champignon et je vais chanter une chanson. Et toi, qu'est-ce que tu voudrais faire? Ben, je peux raconter des histoires, j'en ai plein dans mes livres. Eh ben oui, bonne idée. Et je peux les raconter avec des marionnettes. Encore meilleure idée. Oui. Et est-ce que dans tes histoires, il y en a une avec un champignon chantant? Ça, je suis pas sûr, mais c'est pas grave, on peut en inventer une. Hein. On l'appelle les aventures de la chevalière errante et le champignon qui chante. Oui! Voilà. Et je connais aussi une super belle chanson qu'on peut chanter ensemble. Ça s'appelle « Ossé Shalom ». Tu la connais? Eh ben oui, c'est la chanson de la paix. Ah, mais voilà! Alors, tout le monde, les petits, les grands, on frappe dans ses mains et on chante tous ensemble « Ossé Shalom », la chanson de la paix. OK! On y va! Ose shalom bimgomah, oya se shalom aleinu, ve'al kol Yisrael, ve'mru, imru, amen. Ya se shalom, hey, ya se shalom, hey, shalom aleinu, ve'al kol Yisrael, hey, ya se shalom, hey, ya se shalom, hey, shalom aleinu. Yacolisroel. Au revoir les enfants, merci d'avoir écouté mon histoire. Salut, à la prochaine. Et comme la petite chevalière errante était arrivée au bout de sa quête, c'était la fin de notre histoire.